Bonjour à tous. Donc, nos routes, voilà, dans la mine. Elle est finie. Enfin, elle est finie, façon de dire. J'ai commencé, bon, j'ai eu un... j'ai pas eu assez de bois. J'ai miné tous les ressources qu'il y avait un peu partout. J'ai rebouché. Mais on va pas s'attarder sur la mine là pour l'instant. Ce que je voudrais faire, c'est remonter en haut. Ah oui, par là. On reviendra sur la mine sur un autre épisode, mais pour cet épisode-là, je voudrais voir la ferme à arbres. Parce que ça poussait, j'ai récolté un petit peu en attendant. Comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, il y a eu des grands arbres qui ont poussé. Bon, j'ai récupéré le bois, des saplings. Bon, j'ai refait pousser d'autres entre-temps. Et j'ai tout rafraîchi là-haut. Vous allez voir, il y a plus d'armes. Et j'ai mis dans les coffres. Et du coup, on va. Vu qu'il y a pas mal de saplings là, vous voyez. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ah mince, j'ai oublié un truc. Bon, c'est pas grave. Parce que j'aurais bien voulu avoir de la terre. Et cette porte-là, elle est toujours ouverte. Alors, je sais même plus comment j'ai rangé ça. Bon, j'ai de la terre ici. On va voir si ça suffit. Alors, j'ai une méthode assez radicale pour les plantations d'arbres. Bon, je sais pas s'il y en a qui ont joué à Feed the Beat ou d'autres plugins. Enfin, parce que Feed the Beat, c'est un launcher, mais il existe. Les plugins séparément. Et il y a un mode harvester qui permet de couper les arbres. Moi, je vais pas m'attarder dessus. Mais en gros, ils plantent comme ça, bien. Bon, là, j'en ai pas assez, mais. Et j'ai pu remarquer que ça fonctionnait aussi bien sur Minecraft. Enfin, en vanilla. Alors, on va refaire cette méthode-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que on a un peu moins de saplings. Alors, faire comme ça. Pas si je vais avancer. Ouais, non. Bon, j'en plante séparément pour avoir un peu plus de feuillage pour les casser, parce que là, les troncs vont pousser. Ça va faire des gros blocs de troncs. Et le feuillage, bah, va se rentrer dedans et du coup il y aura moins de feuillage et moins de sapling du coup au final. On va peut-être faire comme ça plutôt. Pour être sûr d'avoir des saplings quand même. Bon, le but c'est vraiment de tout remplir après et puis comme ça qu'on arrivera, quand tout aura poussé, on arrivera avec une hache et on coupera du bois et puis ça nous fera pas mal de bois. Donc hop. Ouais, le bois. Bon, je vais laisser là le bois, il est pas. Comme ça je sais qu'il y a du bois ici. Je vais refaire quelques pioches et aussi un briquet parce que pour le feuillage, si on a trop la flemme, bon pour l'instant non parce que il va me falloir du sapling, mais on va équiper ce coffre-là pour ça. Des pioches en cobble, on va pas, pour l'instant on n'est pas encore riche pour se faire des pioches en fer, des pioches, des haches. En fer ou autre minerai. Voilà, on range bien. Bon, je garde toujours une sûrement au cas où. Alors, pour faire un briquet. Il nous faut ça.
Voilà. Pour la terre, on va plus en avoir besoin. C'est de la roche. Ah oui, c'est vrai. Les blocs de charbon, le four. Oui, c'est hop, fer. D'accord. Bon, je sais pas pourquoi à chaque fois les succès se débloquent, parce que j'avais déjà récupéré du fer. Bon, excuse. Oui, je rappelle n'importe quoi, mais c'est pas trop grave. Bon, je vais le casser lui, parce que c'est vrai, il traîne et puis il m'insupporte de le voir planer comme ça. Hop. Les champignons. Ah oui, je les ai là. On peut tout garder sur nous. J'ai une dizaine de champignons rouges. Ouais. Faudrait que j'en récupère d'autres. Bon, au final, ça se casse tout aussi bien à la main. Hop, bon, j'ai loupé mon saut. C'est marrant parce que c'est le bruit du feuillage de ça. Oh, tiens, on va en profiter. Donc. Et du coup, j'aurais bien voulu explorer un peu pour prendre du. Il sort d'où lui là? Bois d'acacia. C'est où j'ai un acacia moi? Ouais. Ah oui, c'est la porte que j'ai fait en acacia. Je sais même plus où je l'ai eu. Bon, tant pis. Comme vous voyez, ça pousse bien. Peut d'ailleurs récolter. Bon, le problème, c'est que il n'y a pas d'astuce pour récupérer un maximum de saplings. Alors, je pourrais.
Oui, ça fonctionne assez bien parce que ça va vite et on récupère pas mal de bois. Plus qu'attendre que les sapins tombent pour les replanter. L'instant, on va les mettre là. Hop, hop. Bon, je vais pas m'amuser à tout casser, alors. On va laisser tomber et repousser. On va laisser les sapines tomber. Il fait nuit. Faudrait que je fasse un lit parce que si jamais je meurs, bah du coup je pourrais pas réapparaître et puis. Enfin, je réapparaîtrai au spawn et non ici. Alors il faudrait bien en faire un. Alors pour ça, il va falloir trouver des moutons et. Et pour ça, bah, il va falloir explorer. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore fait d'exploration. À part sur cette petite île, qui est d'ailleurs pas grande. Du coup, je pense que dans le prochain épisode, on fera ça. Mais avant ça, bah, comme on a dû faire, bah, on va pouvoir se faire une armure aussi. Ah, c'est vrai, il y a les ressources en bas parce que j'ai tout mis en bas. Toujours l'eau, oui, heureusement. Hop, plouf! Alors, le diamant. Bon, on va tout récupérer. Bon, le seau aussi. Hop, le charbon, le fer. On remonte. Nous revoilà en haut. Alors, le casque. Torse. Plastron. Il nous manque le pantalon. Et voilà. Est tout beau, tout neuf. Alors déjà, ça c'est fait. On va pouvoir déposer minerai. J'avais dit, ouais, c'est là. La redstone, bon, on va faire des blocs. Le fer. Bah pour l'instant j'ai que deux de fer, alors on va les laisser là. L'or, bah pareil. Le lapis, j'en ai pas assez pour faire un bloc, alors on va le mettre là. Le bois en haut, hop. Terre ici. On arrangera ça plus tard, mais bon, pour l'instant c'est pas la priorité.
Les outils, voilà. On a appel. Va falloir nous refaire un peu quelques outils. Mais on va se faire un bateau, voire même plusieurs. Si jamais un se casse. C'est vrai que... prendre de la cobble. Balistique, je les ai mis là. On l'a récupéré. Bon, les planches aussi. Alors, on va se faire une hache. Parce qu'il y a des monstres à l'extérieur, il faut pas l'oublier ça. On va garder tout ça sur nous. Quoique les bols, je peux m'en séparer parce que ça prend de la place et... Ah, mais ça s'accumule ça. C'est magnifique. Ouais, c'est comme ça. On va fermer la porte. Et du coup, on va être prêt pour... Mais on va attendre que la journée tombe... que la journée revienne. Pour aller en exploration. C'est drôle parce que tout à l'heure, ça a poussé d'un coup. Et là, pourtant, ça met du temps maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a moins de saplings. Va faire un truc. Alors, du gravier, je sais pas si j'en ai beaucoup. Sinon, il va falloir que j'aille en rechoper. Non, c'est l'Arnester. Bah écoutez, je fais une petite ellipse, je vais aller chercher, je vais récupérer du gravier. Et on se trouve tout de suite. Donc j'ai récupéré pas mal de gravier, du sable, et puis bah, il y avait de la clé qui traînait un peu, alors je l'ai laissé, comme ça si jamais j'ai une pioche, une pelle fortune, ça sera plus intéressant. Alors ça qu'on va faire... vous allez voir. Faudrait, je pense, à me faire un peu plus d'outils quand même. Oui. Ouais. Ah. Voilà. Et du coup, bah, on va planter quelques saplings tout le long, comme ça.
Bah, sur ce, on va se laisser. Et bah, au prochain épisode, on va partir en exploration. Allez, plus.